toutes et à tous, c'est le Fennec du Sahara. Alors aujourd'hui, je retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo en 1v1 contre un noob. Donc c'est parti, au sniper. Donc on y va. Alors je vais lancer la vidéo. Donc tout ça est dans mon studio, je l'ai fait il y a pas très longtemps. Donc c'était contre un petit noob, donc au sniper. Donc moi, on a tous les deux joué au balista. Donc on va, je vais tout de suite vous laisser avec la vidéo. On va tranquillement tous les deux, nous tous, regarder la vidéo. Donc voilà. Donc la personne, le petit noob, c'était le tueur du 57. Donc voilà. Là je l'ai un peu spawn killé au début. Donc il était en train de rager quand même un peu. Et donc là je viens de créer ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous et lâchez des petits pouces verts, ça me ferait énormément plaisir. Donc là, je lui mettais déjà du 4-0, donc il était en train d'un peu de rager. Donc c'est dommage que vous n'entendez pas les rages qui criaient. Donc voilà, là je le mets pour l'instant du 5-0, donc ça va. Donc voilà. J'ai mis pour l'instant une assez bonne craquelée. Et à partir du 6ème kill, et bah là il va me tuer. Donc je voulais voir jusqu'à où j'allais aller, mais malheureusement il m'a eu. C'est bien joué quand même à lui, mais bon, faut pas oublier que je me suis affronté contre un homme. Donc vous verrez le score à la fin. Donc voilà. Alors on va aller un peu sur la vidéo du tueur pour voir. Donc là il a pris mon sniper. Donc lui il avait viseur laser. Et ça, son camouflage c'était 115 militarisé. Donc lui, comme Star Trek, il a foudrement, microstation orbitale et unité canine. Donc voilà. Donc moi je vous préviens, je suis un énorme joueur entre guillemets au sniper. Donc n'hésitez pas à me demander quoi comme type de vidéo je vous ferai. Donc là, le petit welding headshot à travers deux murs. Donc c'était assez pas mal. Donc prochainement je vous ferai peut-être une vidéo soit du troll ou soit comment faire une nucléaire ou comment faire un bon score, ou sinon je vais peut-être aussi vous montrer les armes en diamant. Donc voilà, tout ça sera fait normalement la semaine prochaine, mais bon, donc c'est l'école bientôt, donc voilà. Alors là il m'avait un peu il m'a un peu killé, donc ensuite là il va me killer encore quelques fois. Donc en total il m'aura tué 18 fois, mais en campant. Donc on va aller un peu sur sa vue et vous verrez après qu'il va rester que au middle à un moment. Donc là il reste à peu près que au middle, il va pas dans les coins en fait. Il reste qu'au middle, donc voilà. Là je le tue. Là on est sur ma vue là. Donc voilà. Je retape mes tomahawks, mais ça je ne suis pas très fort au tomahawk. Donc là je rentre le petit flash cop. Je vais le spawn qu'il est une autre fois. Ensuite il va spawner au spawn bleu. Normalement je crois qu'il va me killer. Ah non, il bougeait pas. Si, il marche copé. Mais je l'ai eu quand même, donc ça va. Un peu de chance là. Là on va aller pour sa vue. Donc là il est au garage. Donc là je vais le killer. Hop. Ah bah non, c'était lui qui m'a eu. Bien joué. Donc ça, sa team c'est la Sexa. Donc la Sexa c'est une team de ligue. Donc sa team c'est la Sexa. Donc normalement si sa team voit ça, donc ça va pas leur plaire un peu. Donc là je spawn kill un peu. Lui il tente un petit peu, mais il tente quelques titaniques, mais je lui ai dit que c'était un avion, donc c'est qui sera sur YouTube, donc voilà. Donc il va continuer, donc je vais continuer à le killer. Ah, le Titanic qui n'est pas rentré, qui n'est pas passé, donc c'est pas grave, mais c'est pas grave. On va aller un peu sur la vue du tueur. Il tente le Titanic à la charge, mais il ne rentre pas. Malheureusement, celui-là n'est pas rentré. Donc il y a pour l'instant 8-15 pour moi. 15-8 pour moi. Donc ça va, j'ai un peu l'avantage pour l'instant. Donc là, on va aller un peu sur ma vue aussi. Voilà, là la petite accroche, la petite hache de combat qui rentre pas mal, qui rentre tout crème là. Donc moi j'ai un peu joué un peu, j'ai dû faire
3 kills à l'âge de combat. Donc voilà. Aussi, je vous ferai prochainement des vidéos sur le GTA V et aussi sûrement sur PES ou FIFA. Donc on verra tout ça. C'est pas maintenant. Ah là carrément je rate ma balle, je sais pas pourquoi, j'étais vraiment ailleurs, donc c'est pas grave. J'ai toujours l'avantage, donc c'est pas grave. Donc là, je vois qu'il campe un peu dans le bus, donc là il se mange une balle, donc on va aller un peu sur lui. Là, il a commencé à jouer au DSR, donc là il va m'attendre carrément ici. Voilà, il m'attend. Et là il veut essayer de me killer, mais c'est mort hein, pour moi. Contre moi il me gagnera pas. Donc là il regarde la killcam, certainement, donc c'est pour ça qu'il spawn pas maintenant. Il a une technique ce petit, donc en fait lui il attend que la killcam arrête, donc voilà. Là il jouait pas, je ne sais pas pourquoi. Là il commence, voilà, là il joue, c'est bon. Donc là il va m'attendre. Là je l'avais vu normalement, voilà. Je lui ai tiré dessus. Hop, il prend pas ses balles franchement. Excusez-moi si je parle pas énormément des fois parce que j'ai pas trop à dire. Ah oui, aussi c'est ma première vidéo sur ma chaîne, donc je viens juste de créer ma chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc ça me ferait énormément plaisir si vous mettez des j'aime et que vous abonniez et que vous laissez des petits commentaires. Donc ça si vous le faites, ça serait énorme ici. Donc merci à tous, en tout cas même si vous le faites, merci d'avance. Donc là je menais le score 21-9. Donc on va aller un peu sur ma vue parce qu'il regarde un peu trop l'équipe fan, donc on voit pas un peu trop de jeu. Donc voilà. Donc là, il me semble qu'il campait dans le garage, donc là je vais un peu le flash cop, donc je rate un peu mes balles, je le sais. J'ai atteint la sanguinaire, donc ça va. Là, je le flash cop assez pas mal. Enfin, pas mal, je le flash cop. Donc là, on va aller un peu sur sa vue. D'accord. Bon. Donc, juste pour vous prévenir, prochainement la vidéo, normalement, prochainement la vidéo, ce sera sur le troll. Donc, je vais troller. Voilà. Tout simplement, je vais soit troller sur GTA, ou je vais troller en public. Voilà. Faire un peu de troll ou je vous ferai aussi des top 10 trick shots et tout ça, top 10 kills et tout ça. Faut juste que vous m'envoyez un peu tout. Tous les clips que vous avez. Donc merci d'avance. Donc là, excusez-moi, la caméra vient de se basculer un peu. Excusez-moi à tous. Donc là, je mène le score 26-11. Donc là, il reprend mon sniper parce que monsieur, le petit gamin, a dit qu'il n'arrivait pas à jouer avec son sniper. Donc c'est vraiment bizarre. Donc là, il a repris son sniper. Normalement, il y a viseur laser. Et il doit avoir poignard ergonomique. Et voilà. Il doit avoir aussi balle blindée, je sais pas. Donc lui il a le camouflage 15 militarisé, moi j'ai le camouflage diamant dans toutes les armes. Donc je vous montrerai prochainement sur mes vidéos. Donc je verrai pour le troll de la prochaine vidéo, je verrai. Donc voilà, on va aller un peu sur ma vue je trouve. Là. Donc j'ai pas archcop hein, dans la vidéo, je n'ai pas archcop une seule fois, j'ai fait que flashcop. Donc lui il a archcopé quelques fois, mais voilà. Donc là je suis à 2 kills, donc là il va me killer encore deux fois et après j'aurai gagné le duel. Donc voilà. Donc là je suis à 29, donc lui il est à 16, donc là il va me tuer deux fois. Vu que lui, moi je tentais double triangle titanique, donc vu que lui il tentait rien, je me suis dit que je ne veux pas tenter parce que lui il tente pas, je tente pas. Donc là, on va aller sur moi pour la killcam. Donc là, non, je vais lui faire juste un flashcop parce que il ne tentait rien. Donc voilà. Voilà. Alors là, je vais le killer. Et voilà.
Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Likez, mettez pouce vert, commentez cette vidéo et abonnez-vous. Salut à tous, bye tout le monde.